très constructif, puisque nous avons fait le tour donc, des différents dossiers que la ville a en cours. Qui ont essayé donc près d'un million d'euros que la région Guadeloupe a consacré aux îles du Sud. Il y a un certain nombre de choses que nous allons voir. Le projet de l'école, ben, il en fait partie. Maintenant, le matériel même pour la pratique des activités ne l'est pas. C'est l'éducation. Donc, on a parlé de terminer les chantiers sur les écoles, notamment le secteur de Marégo. À Ster, où nous sommes une ville capitale, où il y a des sites très importants tels que le stade de Rivière des Pères, la piscine, le stade Félix Eboué. Et voir comment on peut travailler ensemble, mais dans le temps de la mandature. Donc, ce n'est pas une visite seulement de courtoisie. Je sens que c'est une région qui a le côté pragmatique, c'est-à-dire être au plus proche. J'ai beaucoup, beaucoup d'artisans, beaucoup de très petites entreprises, donc c'est une politique qui pourrait que me ravir. Je crois qu'il faut associer tous les acteurs du territoire. D'abord individuellement et puis collectivement, parce que c'est important que les Guadeloupéens comprennent qu'on travaille ensemble pour la Guadeloupe, en harmonie, en équité et en solidarité. La Chambre des métiers, toujours aux côtés des artisans, mais surtout merci à la région Guadeloupe qui nous a vraiment soutenus durant cette période du Covid. Au plan de relance et pour l'économie, c'est quelque chose qui nous tient à cœur puisque nous sommes complètement impliqués dans l'économie guadeloupéenne. Nous voulons du concret, c'est notre réalité, le concret. Pêcher, partir, retourner avec du poisson. On a besoin d'une région qui nous donne une véritable vision de développement économique. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête de se regarder le monde politique et le monde économique en chaîne faïence. Il faut qu'on soit ensemble pour porter les projets. Le Covid nous a fait réfléchir peut-être un peu plus, penser autrement et voir la vie d'une autre manière. C'est déjà d'arriver à structurer notre offre et à être crédible. Nous sommes une société de fabrication de lunettes basée en Guadeloupe, donc guadeloupéenne. Ce qui fait que sur cette région sud-Basse-Terre, il y a un café exceptionnel. On est une société guadeloupéenne, donc on développe en Guadeloupe, mais aussi dans les Drômes et à l'international.